Manu, tu vas nous parler de quelque chose de très important. La préparation, c'est ça ? Donc le marché, le lancer, c'est ça. Les bases au bowling, c'est de synchroniser un marché et un balancer. C'est ce qui est le plus dur. Synchroniser, marché, balancer. Vous avez expliqué un peu les positions ? Oui. Alors pour un débutant, il y a le gros point central. Donc il n'y a pas de. C'est un repère facile, c'est le plus gros. Oui. Hein ? Donc le pied dessus là, l'intérieur du pied gauche. Pied droit, à la semelle. L'objectif, la flèche numéro 2. Flèche numéro 2. Moi je suis gaucher, c'est le ouais. Gauche vers la droite. Ouais. Et donc la deuxième là. Pour les droitiers, c'est l'inverse. C'est de droite vers la gauche. Vous, la boule de bras. L'objectif, la flèche. Je fléchis un petit peu. Donc je tire la boule une fois. Un peu plus haut. Et je démarre. Oula. Le plus dur, c'est le départ. Le départ s'enclenche quand la boule elle passe le genou au deuxième balancier. Si. Là. Un. Et là on démarre. D'accord. On marche, pourquoi ? On marche normalement et la boule elle donne ton pied gauche ici. Encore. Voilà, ici. Pied joint. Voilà. La boule de bras. Ici. Fléchis un petit peu. Voilà. Donc tu tires. Regarde ta flèche. Tu tires un coup. Voilà. Une deuxième fois et tu démarres quand elle passe le genou. Voilà. Ah, c'est mieux que moi. Hein. Bon, j'ai pas fait un très beau geste quand même. Hein. C'est pas trop mal pour une première fois. On se répète bien le mouvement, la boule bras, fléchit. Allez, on la tire derrière, un peu plus haut et on démarre. Voilà. Voilà, tu me fais plaisir, il en reste deux. Moi ouais, je vais essayer, mais... Tu me les dégommes ? Respect. Manu, je te remercie. Je pense que maintenant, on va faire des doublettes et on va attaquer les matchs. Ok. Hein ? Allez, c'est parti.